Bonjour à tous, je viens juste de me réveiller, je meurs de faim, alors je vais aller me rouler des petites tranches de jambon. Je vous reprends après. Alors là, je mange mon petit jambon roulé. Je prends toujours la même marque parce que comme ça, il est bien salé comme j'aime. Bon, alors là, je vais me maquiller, donc du coup, je vais dans la salle de bain. Et voilà, je suis prête. Non, je déconne. Et voilà, je suis prête. J'ai pris mon traitement, là, je suis vraiment prête. Je vais aller coiffer Alison. Et du coup, il y a quelqu'un Coucou qui le vient me vlog! coiffer. Coucou le vlog! Je suis Trop désolée, désolée, j'ai pas j'ai vlogué pas depuis posé depuis 10 10 minutes. minutes. Alors aujourd'hui, au programme, Je je vais aller vois mon voir Denis, mon petit copain. Il a encore raté un entretien d'embauche, du coup, je vais lui donner des conseils pour affronter son chômage, vu que moi, je m'y connais un peu en chômage. Je finis de me préparer et après, je vous emmène avec moi. Oui, voilà, j'ai demandé à Camille de me coiffer. Avant d'aller dans le dehors, je mets toujours un petit masque anti-odeur. Parce que, en fait, j'ai un odorat assez développé. Tu parles Du de coup. ton flair de clébard, là? Ouais! Du coup, Paris, c'est un petit enfer pour moi. En fait, ça sent. Enfin, je trouve hein, que ça sent la sauce tomate sur toute la ligne 2 et la merde à Saint-Ambroise. Et un peu les deux odeurs à place d'Italie. Du coup, ça fait une odeur de ravioli. Ah ouais, non, mais ça, c'est clair, il y a plein de gens qui pètent. Bon, du coup, là, je suis prête à partir. J'ai rendez-vous que dans quelques heures. Du coup, bah, je patiente, mais au moins, comme ça, je suis prête parce que j'aime pas être en retard. J'écoute toujours un peu de métal libre de droit. Pas terrible, mais bon, ça fait de mal à personne. Wouah! Bon bah là j'arrive devant chez Denis, faut que je vous prévienne, Denis il a une chaîne de prank et une fois il a pranké ma mère bien comme il faut. En fait il lui a fait croire qu'il était mort dans son potager. Merde. Et il avait vidé des boîtes de ravioli à côté de sa tête. Du coup ma mère elle a cru qu'il s'était mis une balle dans la tête. Donc du coup elle veut plus trop qu'il vienne à la maison. Denis? Denis? Oh non, Denis. Denis, je vais appeler les urgences. Oh là là, mais qu'est-ce que t'as fait, Denis? Réveille-toi, bon sang. Du coup, Denis, t'as cherché du travail? Ben non, j'ai pas eu le temps, je t'attendais dans la baignoire depuis ce matin. Ah oui, bah désolé. Non, c'est pas grave. Tu sais. Oh là là, il est 17h passé, je suis restée trop longtemps avec Denis, j'arrivais pas à le rassurer sur son chômage. Alison m'attend pour l'happy hour. Bah, je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, en faisant cela, tu auras deux fois plus de chances de gagner à l'euro million. Mais si, je t'assure, c'est vrai. Bisous.